Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Tout dépendamment de qui est qui côté, nous avons gardé et recevoir tranche émission ça sous channel Messac News, une chaîne qui l'a pour informer, quel que soit côté information. Est-ce que casque bleu, nous parlons de casque bleu, nous parlons des ministères sous territoire, ou du moins sous territoire très bientôt, toutes réponses à yo dans l'émission ça. Restez connecté, nous pourrons venir avec yon audio côté gagné monsieur Camille Chalmeuse qui t'a participé dans l'émission sous Radio Magique 9 et qui dit tout bagaille. Restez connecté mesdames et messieurs, pas oublier abonner, liker, partager, quitter un commentaire dans espace qui réservé à commentaire. Est-ce que ministère pral aider nous combattre insécurité qui dans pays ça. Nous pas connaît est-ce que tout les ministères ont là te gagne bagaille des bagaille positif qui t'est fait. Nous pas connaît est-ce que peuple là prêt pour yo recevoir ministère. Nous pas connaît. Toute question ça yo gagne réponse yo dans vidéo ça. Pas oublier sous channel Messac News, abonnez, likez, partagez, quittez un commentaire, dites qui côté vous regardez nous, qui côté vous attendez nous. En passant, nous saluons tout le monde qui est en Haïti ou même qui dans la diaspora aux États-Unis, Canada, Chili, Brésil. Yon gros salutation pour nous chaque. On rentre directement dans la nouvelle là, pas oublier et vous écoutez audio ça. Si vous avez besoin, fin écouter toute interview, ou pral gadil sous radio sous chaîne channel télé 20 ou joine toute interview an koute yon extrait la dan. Gen bien gen États-Unis même qui annoncé gen piste de solution li envisagé pour Haïti c'est d'avoir casque bleu qui analyse ou fait de proposition ça. Bon dit clair que crise là a vint de plus en plus aigu, de plus en plus grave, avec des conséquences dramatiques sur le peuple haïtien. Et nous constater que grandes puissances, en particulier les États-Unis, d'autres puissances impérialistes, c'est, ils continuent à passer dans la bêtise. Ils continuent à jouer avec le peuple haïtien, ils continuent à jouer. Et on a l'impression que, ils ont plus, c'est dans la dynamique de faire durer la crise. Et ça pas étonné nous dans la mesure où nous connaît que on a grande responsabilité dans la fabrication de crise. Bon, c'est pas une crise qui est tombée sur le pays d'Haïti comme ça qui est tombée du ciel. C'est une crise fabriquée, c'est une crise préparée, c'est une crise manufacturée par un ensemble de forces sociales et politiques et avec disons participation active de l'impérialisme dans la crise là. Donc l'évident que yo pas metté du tout à disposition pays d'Haïti minimum de moyens qui était capable permettre les résoudre problème gagnio ou bien diminuer problème gagnio. Et par contre sur le courant, mais par exemple dans le pays Jamaïque à partir de semaine ça yo commence un gros programme pour accompagner le pays Jamaïque dans la lutte contre gang avec participation université, participation une série d'experts, participation tout un ensemble de outils technologiques, etc. Alors que le problème gang est beaucoup plus grave en Haïti qu'en Jamaïque. Donc, question de évoquer ou éventuelle nouvelle occupation militaire par des casques bleus, son bail qui était toujours dans le tiroir, les États-Unis, d'ailleurs, ont proposé ça formellement dans le Conseil de sécurité hein, déjà. Et c'est option ça qui paraît option optimale là, pour yo. Et nous connaît très bien, et peuple haïtien vive expérience de façon très douloureuse que depuis 1993, pays en bas contrôle ou ensemble de missions Nations Unies, missions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et toutes les missions ça a des résultats complètement négatifs pour le peuple haïtien. Donc il est évident qu'une nouvelle mission pas résoudre problème insécurité, hein, est capable éventuellement font y calmer conjoncturellement, mais il pas résoudre racine problème. Non, au contraire, c'est aggravé que l'a pas aggravé. Là, nous connaît que des mondes de commande à la lime, t'es participé directement dans la fédération gangio. Nous connaît qui gens que pendant tout programme, démobilisation, désarmement et réinsertion, au monde de quoi Alex Fizé mettait qu'on dit que Nations Unies t'a bal problème dans exécuter programme que gouvernement t'a gagné. Donc, dans ce sens-là, il est clair que tout, disons, tout ça que Nations Unies fait dans la question contrôle de la violence urbaine depuis pratiquement les années 90, ils ont échoué et ont mené pays dans une situation catastrophique, je dis. Donc, c'est clair que c'est pas le chemin à prendre, c'est pas du tout la route à prendre, et il est certain que si pays ça a été vraiment pays ami, j'en dis là, c'est pas ça que t'as proposé, non?
et ont utilisé de l'autre moyen pour aider le pays d'Haïti faire face à la crise d'insécurité que l'on vit là. C'est quoi le chemin à prendre? Le chemin à prendre, c'est sortir du néocolonialisme. La crise que nous vivons là, c'est décomposition du système néocolonial qui est fabriqué depuis 1915 là et qui mène nous là. Donc, le chemin à prendre, c'est la récupération de la souveraineté nationale. Le chemin à prendre, c'est la reprise de la reconstruction des appareils de l'État, sortir d'une dynamique destruction, gangstérisation qui a failli affirmer depuis 2010 avec la montée au pouvoir de l'extrême droite. Ok? C'est la modification complète des rapports entre l'État et la population. C'est des politiques publiques, des politiques économiques qui tenent compte de population et de majorité besoin que la population ça a gagné, de façon que suspendre la guerre, majorité mon grand goût dans chômage, dans situation infrahumaine. Et donc il est clair que c'est ça chemin, c'est d'abord une solution politique, parce que nous connaissons très bien que gang c'est pas seulement contre gang n'a plus lutté, mais lutter contre gang qui est adossé à l'État. Des gangs qui a bénéficié de la puissance étatique pour y fonctionner, avec un approvisionnement armes, munitions et garantie d'impunité presque totale. Okay? Donc la solution est d'abord politique, deuxièmement les sociales, avec des politiques économiques, des politiques sociales qui permettent de casser dynamique de violence étatique, de violence exclusion qui caractérise l'État pays d'Haïti. Et troisièmement, il faut construire des forces publiques, police et armée, qui pas des forces publiques néocoloniales, qui pas des forces publiques formaté par la ministre Jean-Saint Nouyéla, mais des forces publiques qui connectaient avec une doctrine de sécurité nationale, qui connectaient avec pays, hein, qui connaissent trois pays, hein, qui connaissent trois révolutions haïtiennes, hein, qui connaissent nature société haïtienne, hein, et qui connectaient avec elles, au lieu qu'ils font un job pour l'impérialisme. Ouais. Donc, dans ce sens-là, il faut revoir la doctrine de la sécurité, et il faut revoir les curriculums de formation des policiers, par exemple, de façon que effectivement connecter avec pays, hein, connecter à culture nationale, hein, et que parler pour défendre pays, hein, véritablement. Gen moun ki t'a kamande, qui est-ce qui va le faire tout ça? Bon, et peuple haïtien, et représentant peuple haïtien, et peuple haïtien montré depuis très longtemps volonté pour construire une démocratie. Chaque fois que peuple haïtien construit un consensus autour de une saut qualitatif dans la construction de démocratie, hein, force fait noyau, camper pour bloquer le processus. Là. Nous t'es voir ça passer, par exemple, le 29 novembre 1987. T'es un gros consensus, et après une élection présidentielle, élection générale, côté que la population, de façon enthousiaste, après participer, nous, on s'est passé où elle va, hein, c'est pas? Après les élections de 90 et l'installation du nouveau pouvoir en 91, nous, on s'est passé le 30 septembre 1991. Okay? Donc, chaque fois que pays joue un consensus, et que la machine en construction, ou l'autre projet étatique, ou l'autre projet de vivre ensemble, impérialisme, les fameux pays amis et les forces oligarchiques, ils ont campé et ils ont appliqué la plus grande violence pour craser le processus de construction. Ça. Ouais. Donc, nous-mêmes, je dis, ça pour nous faire, c'est construire un nouveau consensus autour des forces patriotiques et démocratiques pour nous capables de bloquer hémorragie, hein, bloquer massacre, bloquer génocide qu'a préparé. Hein, et puis, nous entrer dans une dynamique de construction nationale que majorité, grande majorité pays ont d'accord avec. Nous comprenons les positions ça que nous connaissons ou à défendre. C'est très longtemps, professeur Chalmers. Mais maintenant, la solution est d'abord politique. Et pour nous arriver à une structure qui résout le problème, ça, bon, moi-même supposé, il faut que ça soit une structure qui est légitime. Et légitimité, ça, nous connaissons qui bol capable d'acquérir. Du moins, tout, c'est pas, on était capable de dire, on consensus assez large de toute force publique et paysan et pour nous avoir une structure qui est légitime. Bon, je veux dire là, nous gagnons le président Jovenel Moïse depuis 2021, nous en 2023 et extrêmement difficile pour nous arriver à un consensus ça et pour nous être capable de gagner une structure qui gagne une certaine légitimité pour être capable de résoudre des premiers problèmes, on dit, qui c'est politique. Maintenant, il y a des monde qui voient que, il y a des monde qui a questionné pour dire, et question politique, là, on t'y casse, on va pas dire on t'y casse, mais plutôt,
quasiment impossible par rapport avec le comportement acteur souterrain. Maintenant, il dit, c'est vrai, il faut s'assujettir, alors il faut que nous sortions en bas, et on est capable de dire puissance néolibérale, et, ou bien néocoloniale. Maintenant, et est-ce que nous pas t'a capable d'envisager et on sortit qui progressive pendant que nous a sollicité aide pour nous résoudre d'abord problème insécurité. Non, même penser que consensus là existait. Consensus là il est clair et pourquoi que grande majorité mon pays, grande majorité secteur social politique reconnaît échec total gouvernement transitoire qu'il a connu. Yo reconnaître responsabilité gouvernement transitoire ça nan kembe crise là nan alimenter gang nan kembe insécurité nan plonger pays en plus misère. OK, donc il est clair que nous pas grand problème pour jouer un consensus. Problème que nous gagne c'est que yo imposer dans pays un régime anti-état, anti-nation, un régime qui chita sur le concept du bandit légal depuis 2010, yo imposer nous ça. Et il est clair que c'est pas tout consensus national qui est arrivé dans le gouvernement, ça. Ouais, donc, ils prennent en main appareil électoral, ils font coup d'état électoral. Ça veut dire ça va vivre lancer résultat en coup d'état électoral. OK? De 2010. Et je dis, ils ont imposé à pays, monsieur Ariel Henry et son gouvernement, là, avec le fameux tweet. Et ils ont campé derrière le gouvernement, ça, malgré toute situation de gain, malgré toute dérive, malgré toute catastrophe qu'on a vive, malgré toute mauvaise décision, malgré toute erreur, etc., qui fait, le campé des gouvernements, ça, il a appuyé parce que, justement, ces gouvernements, ça, et ces types d'orientation politique, ça, qui correspondent à l'intérêt impérialiste. Donc, nous, on est en situation, côté que nous, un gouvernement illégitime, illégal, qui est complètement isolé sur le plan politique, avec seulement quelques groupes politiques à appuyer lui. Et puis, nous gagnons en face, et ça, et c'est équation, ça a présenté souvent, nous gagnons en face la majorité des secteurs de la nation qui aboutent, qui désespérés, en pile là de la cour qui était payé, hein, c'est pas, et qui a cherché une autre route politique. Donc, c'est ça, oui. Donc, c'est blocage, c'est que nous gagnons impérialisme qui campait derrière M. Ariel Henry, qui dit que M. Ariel Henry n'est pas négociable, ok? Parce que, justement, ce type de projet, ça, qu'il a appuyé. Maintenant, le monsieur Almagro vient en Haïti, par exemple, le monsieur et Joseph Moïse, dans des conditions totalement antidémocratiques, voulait massacrer la constitution 87, là, installant la constitution. Alors, vous pensez que monsieur Almagro pas de connaît, ça le tape fait? Monsieur Almagro appuyait une tendance politique, une orientation politique qui correspond à choix qu'un impérialiste a fait par rapport à ça que vous voulez faire dans le pays. Donc, c'est ça, oui, le problème, là. C'est que nous gagnons, justement, la nation contre un gouvernement légitime, illégitime, anticonstitutionnel et qui a pas appliqué un plan, le mot, qui a pas appliqué un plan de destruction nationale, de destruction institutionnelle et de, t'as dit, de avilissement pays. Hein. Donc c'est ça, oui, conjoncturel. Mm-hmm. Donc c'est pas une question de difficulté acteur pas 40 ans, non? Ah, c'est une question de, justement, nous gagner une force impériale qui contrôlait les avenues et les instruments réels de pouvoir, ok? Et qui a imposé volontairement contre pays. Hein. T'as imposé volonté, li compte volonté politique payant pour sortir dans Tchumboum, sortir dans sa liée là, je dis. Alors, c'est ça la question. Peut-être que ma papante, Jean, réticent dans la question m'a posé. Si m'a rappelé, moi, à filigrane actualité, pour venir sur Ariel Henry, li nommé par tweet là, li pot ko gen, on dit, et en force ou bien de regroupement véritablement politique qui t'est rejoint. C'est après que les pral commencé t'es capable d'y aller de alors certains regroupements politiques qui étaient en opposition à venir dans Saint-Li et donc en façon pour moi dire que opposition et qui était alors qui t'a fait face avec président Jovenel Moïse après la moral pas gain ou bien du moins les pas organiser li pour li te prendre pouvoir parce que bon c'est vrai que nous pas simple tout mais force de l'opposition qui était opposée avec président Jovenel Moïse là yo même tout et après nomination premier ministre Ariel Henry et yo pas réagi d'une manière pour yo être capable faire entendre et maintenant
Même. Non, alors, t'aimes corriger un petit peu, ça veut dire, hein, pas oublier que tweet que Madame Lalime fait pour nommer M. Ariel Henry, il fait le jour même que Montana a réuni pour être capable de dégager un consensus politique sur la transition. Okay? Ça veut dire qu'il était un processus de construction de une solution politique consensuelle, concertée. Il m'a rappelé nous que dans l'époque, ça a gagné pile dans le secteur qui pourrait appuyer en septembre, qui pourrait signer encore en septembre, qui était dans Montana, qui était avec Montana. Ça veut dire qu'ils ont interrompu un processus de construction des forces sociales et politiques au niveau pays, hein, pour y imposer une solution. Et évidemment, à partir de imposer comme premier ministre, le ça, on pourrait gagner un pile secteur opportuniste qui pourrait courir derrière des avantages des postes de l'État, etc., et qui pourrait rejoindre Ariel Henry. Mais notez qu'en pile dans le secteur qui signe un accord en septembre, là, dénoncé que même accord en septembre n'est pas appliqué. Que minimum de ça que tu prévois, que dans l'esprit même de l'accord du 11 septembre, pas du tout appliqué.